tiens, le soleil rentre. Les garçons, mais c'est pas possible. Moi, j'aimerais me réveiller avec pas de lumière. Ils mettent de la lumière partout. Solan. Saoule. Bon, je vais allumer mes lumières. Ah, deuxième journée qui commence dans cette ville-là. Je vais dire bonjour à tout le monde. Tasnim, elle dort. Tasnim dort. Très bien. Alors... Ah, coucou mes loves, tu pouvais allumer les lumières, hein? Ouais, j'allume les feux. Vas-y, j'allume celle là-bas. Ah. Et les garçons, normalement, ils ont pas le droit de sortir de la villa. Hein. Ouais, ils ont pas le droit. Et ils ont sorti de leur maison. Oh, voilà. Ah, coucou Tasnim. Ouais, mais c'est pas pour aller dans un autre endroit. Ils ont le droit. Ils peuvent dormir seulement dans leur villa normalement. Bon, allez, je vais m'habiller, les filles. Non, parce que là, Sarah, elle nous attend quand même. Ah, elle nous attend? Ouais. Ah, ça veut dire qu'on doit faire un truc. Je vais mettre deux sports, alors. Parce que moi, à la base, la première journée, je pensais pas qu'il y allait avoir des missions. Donc, j'avais pas... Allez, je vais dire coucou à Sarah. Coucou Sarah. Tu vas bien? Ah, bonjour Juliana. Hey, Tasnim, mais t'habilles-toi. Nouvelle mission? Oh, génial! Faut pas compte, les garçons, ils se sont installés une villa là-bas, là. Et. Alors, attendez, je vous montre. Là-bas, et ils disent. Puis ils ont pas dormi là, ils ont pas dormi dans leur villa, et du coup, voilà. Ouais. D'ailleurs, j'ai remarqué, moi. Ah ouais, mais bon, c'est pas grave. Bon, c'est quoi la prochaine mission? Ah, il faut mettre nos tenues de sport, Tasnim. Pas mignon, maillot de sport, mais sinon ça va. Ah, pas mal, je sens bien dans ma tenue de sport. Ouais, on dirait. Nouvelle mission. Ils sont. Sauf que nous, c'est un gros short. Tiens, on a tous les deux le maillot Adidas. Ah ouais, stylé. Mais vous avez pas mis vos tenues de sport, les gars. Oui, je sais. Mais ils sont fous, les gars. Ils se cachent en plein milieu de la villa. Quoi? Donc en gros, on s'est mis une tenue de sport pour rien. On va faire quoi? Bah, on doit travailler dans un magasin. Dans un magasin. Dans un magasin? Mais un magasin. Bah, après, ça va quoi. Un magasin qu'on veut? Un magasin qu'on veut? Bah, non, je pense qu'il y a un magasin autorisé, madame. C'est Sarah, donc... Sarah, on va où? Bah, dans un... On va où, mais... Sarah, pour travailler, là, dans un magasin, well... Le plus proche, go dans la limousine, ok.
Ben, on suit Sarah. Elle est où la limousine, Sarah? Ah, elle est là, la limousine! Elle est carrément là, la limousine. Sarah, c'est toi qui conduis, hein. On est d'accord, parce que moi, je sais pas, je connais pas la ville. Tout le monde est là? Vous savez, j'ai découvert un endroit secret dans la limousine. Ah bon? Quand on regarde au-dessus de la limousine, donc on fait ça, on voit tes pieds. Bah oui, mais ça, c'est pas un secret, c'est. C'est pour qu'on s'installe. On se met. Sarah, tu sais ce que tu fais au moins? Oui, Sarah, tu sais au moins ce que tu fais là, parce que moi, j'ai un. Parce que moi, quand mon père il faisait ça, il était chiant, parce que il me faisait trop peur. Ah, on va travailler ici, du coup. Merci, Sarah. Ah, mais t'arrêtes de me porter, toi. Les garçons, vous êtes solents. Ton frère est un petit peu solent, là. Alors, c'est parti pour mon magasin. Amusez-vous bien. Ok. Bon, allez, c'est parti. Toc. Mais qu'est-ce que tu fais, toi? Bon, moi, je vais me mettre des vêtements idéaux. Ouais, moi aussi. Parce que sinon, ça va pas le faire. Si je mets ça, c'est une grande mauvaise idée. On va mettre ça, voilà. Pas de bonne gueule. Ah, mais j'aime pas le rose. Bon, bah, je vais mettre celui pour les garçons. Tu peux le mettre en rouge. Mais t'es bête, Alex. Faut travailler. Et toi, qu'est-ce que t'as à mettre ça, un tablier? Mais t'as pas besoin, t'es pas chef, hein. T'es juste caissier. Bon, moi, je m'occupe des boutiques, comment ça se passe. Voilà. Moi, je regarde s'il y a des gens quelque part, non. Oui, bonjour, Alex. Oui, bonjour, tenez, il dit. Oui, bonjour, tenez, mais Alex, on doit travailler. Oh là là, il comprend rien. Je voulais pas des Doritos, moi. Je veux être. C'est quoi ce qu'on est en fait? Le manager. Oh, la dame de ménage, elle m'énerve. Mais il n'y a pas de femme de ménage. Au pire, vas-y, je la fais, la femme de ménage. Parce que... Ah mais non, la femme de ménage... Bah si, en fait, si. Moi, je vais t'aider à faire la femme de ménage. Vas-y, toi, tu passes l'aspirateur et moi, je passe le balai. En l'aspirateur, on entend bien, hein. Oh là. Wouhou! Hello Van, après je pourrais faire la caissière s'il te plaît. Ouais, c'est mieux. Ok, merci. Par contre, moi je suis douée en rien sur caissier. Bah au pire, toi tu aides les clients à trouver ce qu'ils ont besoin. Vas-y, je peux faire caissière? Okay. Merci. Moi, je vais prendre le balai. Voilà. Dis-moi. Hop. En vrai, ça va. C'est stylé quand même. Je m'attendais à pire. Non, moi non, parce que j'ai déjà travaillé dans un magasin. Ah, pas moi en fait. Moi j'ai déjà travaillé, mais pas dans un magasin. moi dans un resto. Pour faire des pâtes. Alex, il est pas bien camouflé, regarde sur le mur. Tu le vois sur le mur? Oui, je le vois. Alex, si tu essayais de te cacher, c'est mal barré. Hein. Alex, on te voit là. Ah, il y a Sarah, elle arrive.
Mais bon. Bonjour Sarah. Ah bonjour Sarah. Tu travailles trop bien. Bonjour Sarah. C'est bon Sarah, on a fini. Elle nous dit bravo. Ok. Bravo, oui. On peut aller dormir, on peut aller se préparer là quand même. On peut retrouver nos vêtements normaux. Nouvelle mission. Bon, bah, je vais me changer d'abord. Oui, moi aussi. C'est vestiaire des filles ici. Ouais, c'est le vestiaire des filles. Prochain qui rentre, je le démonte. Ah ouais, moi aussi. Et du coup, je peux faire ça. Alors, dites-nous, c'est quoi, Sarah, la prochaine mission? Vous pouvez nous expliquer? C'est quoi? C'est quoi, madame Carotte? On va faire des sauts en parachute. Ah, ça, c'est trop bien! Ah, moi, c'est mon rêve depuis que je suis toute petite. Ah, bah, moi, ma mère, elle me portait. Je faisais comme si j'étais une princesse, parce que ma mère, elle a une tête de princesse, déjà. Bon, allez, du coup, on y va, Sarah? Non, mais les garçons. Ouais, ils ont mis ça, et to be. Ah, on monte en limousine, c'est mieux la limousine. On t'y va porter. De toute façon, c'est à côté. Et je pense que Sarah, elle va remettre de l'essence. Non. Non, elle fait un demi-tour. Un peu raté, mais fait un demi-tour. Ouais. De toute façon, on juge pas, nous on n'a pas le permis. Ouais, on n'a pas le permis. Mais elle a le permis. En plus, c'est là où on était dans l'avion. Bah si, on a le permis, mais. Oui, on a le permis. Ouais, j'avoue, on a déjà été ici, nous. Allez, merci Sarah. Merci. On va bien s'amuser. Ah ouais, trop ça. Ah, c'est trop bien quand même comme activité celle-là. Ouais, c'est trop bien. Les chevaux, les sauts en parachute. Les cheveux, on dit. Allez. Let's go! Wow, il souffle pas le parachute! C'est bon, il est. Ouh! T'inquiète pas, vas-y, j'essaie d'atterrir sur la fontaine. Ouais, moi aussi. T'es plus bas que toi, t'es plus bas que moi. Et bim! Na 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 la 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 la. Vas-y, on refait un saut à parachute. On peut en faire autant qu'on veut, elle a dit. Ouais, les garçons, ils sont repartis à mon avis. Mais non, ils sont repartis faire un saut à parachute. Hey Louven! Quoi? Essaye de ratterrir sur la fontaine. Ok, trop facile, je vais tous vous battre. Bah moi, nous, tous les trois, on l'a fait, donc ouais, c'est facile. Ouais, toutes les filles l'ont fait. Oh, nanana, bam, nanana. Non. Faut te laisser tomber. Hein. Je sais. Bah, regarde. Moi, j'ai sauté. Hop, et tu vois, je suis pile sur le noir. Moi, je suis plus sur le noir. Mais quand j'ai sauté de super haut. Oui. Depuis quand t'as ça, il est à la maison. Non, j'ai pris. Mais tu peux pas, dans l'avion, c'est la valise, elle est dans moins de 10 kilos. Me dis pas que t'as été l'acheter ici. Et si tu dépenses l'argent de papa et maman... Bah, mon frère. Ouais, il a fait quoi? Il a acheté un overboard. Je l'ai pas. Aïe, aïe, aïe. Je préfère la petite que lui, moi. Bah, tu m'étonnes. Non. Ça pèse pas 10 kilos ou il pèse 1 kilo donc. Bah, normalement, la valise, c'est 10 kilos donc. Non, c'était 50 kilos donc j'ai pris. Ouais, c'est ça, ouais.
une trêve. Yana. Oui. Bon, nous, on rentre. Ah, Sarah, elle a envoyé stop, ouais. Bon, bah, c'est bon. On a passé une bonne journée, en vrai. Elle était stylée, cette journée. Mais bon, il n'y a personne qui me plaît, donc bon. Toi, t'es mon frère, donc je peux pas t'aimer. On attend Analove. T'es dans la voiture, Analove? Ah non, pas encore là. Tu cours. Ouais, tu cours le plus vite possible. Allez, grimpe. Ouais, c'est bon, je suis là. T'es à côté de moi? J'ai une musique dans la tête, ça m'énerve. De toute façon, on va dormir. Club Brook ferme. Ouvert jusqu'à 2h du matin. What? Bah, viens, viens, Sarah. Est-ce qu'on peut aller à la boîte de nuit, s'il te plaît? Ouais, s'il te plaît, Sarah. Oui! En plus, c'est pas loin la boîte de nuit. Pas très loin. Mais Taznim, elle est toujours devant. Ouais. Taznim, je crois qu'elle va être la reine devant. Bon, oh, tant pis, hein. Tant pis pour les garçons. Attendez, je mets mon son. Je mets un peu plus de son. Let's go! La boîte de nuit! Attends, par contre, bois pas d'alcool! Hein. Attends, je vais appeler mon frère! Allô, Lovan! Désolé pour tout le bruit, mais on est en boîte de nuit! Mais non, tu peux venir. Chez nous, on fait une fête jusqu'à 10h! Non, on s'en fiche! Nous, on fait la boîte de nuit! Ok, bah. On fait une fête demain à 10h. Ce soir aussi. Je suis désolée, je raccroche. Ok. Ah oui, vas-y, je la connais celle-là. Danse 1. Vas-y, on la refait. Vas-y, danse 1, danse 2, danse 3, danse 4, danse 5, danse 6. Jusqu'à 2h du matin quand même. Hein. On va pas rester jusqu'à 2h du matin. Hein. Danse 1, danse 2, danse 3, danse 4, danse 5, danse 6. Après la boîte de nuit. Ouais, bonjour madame. Je m'appelle Juliana et c'est trop cool la vie. Je vais aller faire tes devoirs. Bah attends, tant qu'elle nous appelle pas, c'est bon. Ah, wow. Ah ça y est, elle nous a appelé. De toute façon, ça va bientôt fermer. C'est dans une heure. Allez, on y va. Et qui c'est qui conduit là? Taznim. Taznim, t'as pas l'air de conduire. Ah, cette fois, c'est nous qui sommes devant, t'as vu? T'as vu, il était fermé le club. Je te dis. Ah, mais qu'est-ce que tu fais, Sarah? Tu sais pas conduire? Bah en vrai si, je pense que tu sais conduire, mais... Il
Ils sont merci. Qu'est-ce que t'en sais? Attends, je vais prendre des jumelles. On les espionne. Non, je vois personne. C'est quoi ça? Non. Si je vois personne. Il y a vraiment personne là. Allez, go dodo! Go dodo! Bon, par contre, on est en tenue de sport, bonne nuit, les filles! Bonne nuit! On va pas dormir en sport! Ah ouais, bon, bah, tu sais quoi, je me mets tout de suite le pige. Hein. Je me lave pas, j'ai la flemme. Moi aussi. Je me laverai plus tard. Bonne nuit! Bonne nuit, les filles! J'ai pas regardé quand c'est dodo. Hein.